Si y est-il une rencontre qui va laisser des traces. Après la défaite des Bleus face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, Thomas Pesquet n'a pas pu cacher sa frustration. L'astronaute n'a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux. Les supporters français vivent des moments assez compliqués ces derniers mois. Après la terrible défaite de l'équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine en décembre dernier, ce sont leurs homologues du rugby qui ont été éliminés du mondial. Avec une des meilleures générations de son histoire, l'équipe de Fabien Galthié s'avançait confiante, mais tous les espoirs de victoire finale se sont écroulés ce dimanche 15 octobre face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Une rencontre perdue d'un point, 28 à 29 et un véritable sentiment de frustration pour les supporters. Si Antoine Dupont a tout tenté dans cette rencontre, cela n'a pas suffi et la colère s'est emparée de nombreux spectateurs. Plutôt consensuel d'ordinaire, Thomas Pesquet est sorti de sa réserve habituelle pour faire parler sa frustration. Dans le viseur de l'astronaute de 45 ans, un homme en particulier, l'arbitre de la rencontre, le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe. Le rugby est un sport qui, d'habitude, se joue à 15 contre 15, a-t-il lancé, faisant réagir sa communauté, qui a déjà liké son tweet plus de 45 000 fois en seulement quelques heures. Si la plupart des suiveurs de Thomas Pesquet semblent partager son avis sur l'arbitrage lors de ce match, l'un d'entre eux le traite de mauvais perdant, ce qui ne passe pas du tout, surtout que l'internaute en question est originaire de Belgique. Non mais en plus de se faire voler, il faut se taper les mecs frustrés qui connaissent pas les règles, ça va bien là. Personne ne parlait, en Belgique, quand la France a gagné. Tout le monde disait que c'était un beau match avec de bonnes équipes, et pourtant rien à voir niveau arbitrage, rétorque celui qui a déjà rédigé son testament, avant de conclure, passablement énervé, sans déconner. Une défaite particulièrement cruelle pour les Bleus, qui échouent et ne réaliseront pas le rêve de millions de Français de remporter leur première Coupe du Monde de rugby. Une grosse désillusion, notamment pour Antoine Dupont, qui s'est effondré dans les bras de sa mère après le match. Il faudra désormais attendre 4 ans pour voir si cette génération dorée du rugby français est capable de l'emporter, mais cette fois-ci, ce sera en Australie.